parler d'un peu plus. Un peu plus puissante, on va dire, un peu plus rythmique. C'est un rythme. De la cordillère, on va dire. Je pense qu'il arrive jusqu'à l'équateur aussi, le Huayno. Je sais pas si en Équateur il y a. Je connais plus les folklores d'Argentine et l'Uruguay. D'accord. Mais en tout cas, ce rythme c'est de la cordillère. Et c'est les paroles sont de Víctor Jara, compositeur chilien. Et il parle del piment, il s'appelle El Pimiento. Mais parce que Víctor Jara, dans cette parole, il va faire une métaphore entre son peuple et cette piment qui pousse dans la cordillère, dans la haute altitude. Et pour faire une parallèle entre ce peuple qui résiste à la colonisation, à la néocolonisation, et le piment qui résiste aussi à la difficulté de pousser dans ce milieu assez rude. Voilà, El Pimiento. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, coronado por la piedra. Luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, canto rojo que derrama, rojo entero. Siento el canto de